Je crois qu'il s'est fait mal. Allô Roman, ouais c'est Michael. Eh hey Michael, ça va? Estelle m'a envoyé un message pour me dire que t'étais chez elle. Qu'est-ce que tu deviens? Ouais, là je m'en vais dans un entretien foireux que j'ai passé hier. J'ai dû aller aux urgences carrément là. Aux urgences? C'était si mauvais? Non, c'est autre chose, hein. Je te raconterai. Ah, attends, t'en fais pas, j'arrive. Ouais, ça marche. À toutes. Rentre, c'est ouvert. Hey! Salut, ça va? Ah, ça va. Là, je vais prendre un truc. Tu veux me montrer quoi? C'est encore des photos de tes ex à poil, c'est ça? Non. C'est ça. C'est une photo de toi en train de dormir dans ton propre vomi? Non, c'est pas du tout ça. C'est ça. Voilà. Ah, ouais. Hein? C'est une photo de toi avec Nicole Kidman? Ouais. T'as rencontré Nicole Kidman? Ouais, j'ai rencontré Nicole Kidman. Et j'ai surtout travaillé avec elle. J'ai été photographe sur le tournage de son prochain film. Ah, cette chance. Non, mais attends, mais encore, ça c'est rien. La semaine prochaine, je vais à Los Angeles pour le concours de Miss Californie. Qui sait, j'arriverai peut-être à réconcilier une petite perdante. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Ouais, Nicole Kidman, c'est carrément autre chose, elle, tu vois, c'est une actrice, là, c'est du cinéma. Du cinéma? D'ailleurs, t'écrivais pas des courts-métrages, toi? Si, j'écris quelques scénarios, mais je sais pas si j'arriverai à les réaliser un jour, c'était... Et pourquoi pas? Bah d'abord, faut que je trouve du travail. T'as qu'à tenter de te lancer dedans, et puis tu gardes un plan B. D'ailleurs, t'en es où de tes recherches? Ouais, bah c'est vraiment la merde, justement. Bah là, je te dis, j'ai foiré le dernier entretien que j'ai fait. Tu veux boire un truc, au fait? Ouais, carrément, ouais. Une bière? Ouais, carrément, ouais. Par rapport au dernier entretien, les médecins ont dit que les soi-disant vitamines que m'avait donné Estelle auraient été une sorte de dérivé du Viagra, et du coup, j'ai encore mal à la bite. Tiens. Merci. Jean. Jean. En fait, je voulais te dire, tu joues souvent avec? Je joue souvent avec? Non. Non, parce que moi, c'est pratiquement tous les jours. Hein. Pratiquement tous les jours? Bah, tu sais, vu que je voyage beaucoup, bah, ça permet de me détendre. Bah, écoute, tant mieux si ça t'aide. Une bonne demi-heure tous les jours, bah, ça fait plaisir. Ah, une demi-heure tous les jours, quand même. Mais tu sais, tu devrais faire attention avec ça un petit peu. Pourquoi? Et bah après tu risquerais de te replier sur toi. Non mais t'inquiète pas, y'a aucun risque. Hein. T'sais, je fais ça à plusieurs. Hein. T'as plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Hein. À plusieurs? D'accord. Mais attends, mais tu fais ça avec qui? Bah avec Jérém, mon coloc. Avec Jérém, ton coloc? Mais attends, mais il avait pas une copine? Ah bah si que oui, bien sûr qu'il en a une. Et c'est bien elle la plus accro, hein. Si elle pourrait, elle y jouerait tous les week-ends. Hein. Enfin, de toute façon, ce qui compte, hein, c'est qu'elle prenne pas la poussière. Qu'elle prenne pas la poussière? Ouais, remarque, ouais, t'as raison. Il faut pas qu'elle prenne la poussière. Puis en plus, c'est difficile à réparer. C'est compliqué à réparer. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué à réparer. Tiens, en fait, je voulais te dire. Tu savais qu'Amy Winehouse est morte à 27 ans? Ouais. Que Jim Morrison est mort à 27 ans? Ouais. Et que Kurt Cobain est aussi mort à 27 ans? Ouais, bah le club des 27, bah y'a Jimi Hendrix aussi dedans. Toi qui veux devenir artiste, ça veut dire qu'il te reste même pas 2 ans pour faire quelque chose d'important et mourir tragiquement. Au lieu de ça, tu restes là à boire cette espèce de pisse. C'est de la bière. Non mais Roman, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux réussir un truc qui marque tes esprits, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Tu comprends? Maintenant. Maintenant.